Eh bien, salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo découverte de The Gunk, un jeu édité et développé par Image & Form. La sortie française, c'est le 16 décembre 2021. Nous sommes sur Xbox Series X, c'est une exclusivité Xbox pour les consoles. En gros, ça sort sur Xbox One, Xbox Series X, enfin bref, toutes les versions Xbox, c'est disponible. Aussi sur PC, mais il n'y a pas de version PlayStation pour le moment. C'est une semi-exclusivité, je pense qu'il arrivera d'ici quelques semaines, voire quelques mois. Nous sommes sur un jeu d'aventure, c'est indépendant, et vous me connaissez, j'aime beaucoup découvrir des jeux comme ça indépendants. Il y a très très souvent des bonnes idées, n'hésitez pas, ce que vous pensez du jeu, bah de le dire dans l'espace des commentaires, j'ai dit ça inversement, mais bref, c'est pas grave. Si vous voulez laisser un petit like, bah merci à vous pour votre like, et puis sans plus tarder, eh bien on est parti. Hey, back. Anything on the scanner up there? Nah, the signal's gone, and I'm getting a bellyache just thinking about the fuel expense of landing on this dud. Sure, we thought we'd already be on another delivery job. But that energy spike definitely came from this place, and I'm already geared up back here. Alright, alright. Approaching drop point. You secured? Alright, hooked up then. Damn it. The power glove's acting up. Again? What'd you use to mend it? Super glue? Super glue? Why not just solder it? Because we're out of zinc or the alloy. I used the last rod to patch up the hydro spanner. No solder rods? No coffee? Only one beer left? I'm sick of having gruel for lunch. Being poor sucks. All right, here we go. Et c'est parti pour notre aventure. Alors vous l'avez peut-être remarqué, les sous-titres sont plutôt gros. C'est moi qui les ai augmentés. Dans le jeu, de base, ils étaient en mode normal. Vous pouvez les mettre petits si vous trouvez qu'ils sont trop gros. Mais moi je les ai mis encore plus gros. Bah, pour la simple et bonne raison, c'est que je pense à ceux qui sont sur tablette ou sur téléphone. Voilà, quand on est sur PC, généralement, bah, on voit plutôt bien. Mais quand on est sur téléphone, ça devient tout de suite beaucoup plus compliqué. Du coup, bah, à chaque fois, j'essaie de penser à vous en me disant, voilà, si vous pouvez bien voir un jeu, ce serait parfait. Et à voir, c'est une sorte de No Man's Sky. On va devoir faire des recherches sur les éléments. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Éclat luminescent, minéral, dinophyte. Peut-être qu'on peut casser un petit bout, je sais pas. Je sais pas dans quel style de jeu on est. Enfin, je sais que c'est un jeu d'aventure. Et après, j'ai vu la bande-annonce, ça avait l'air trop cool, et en plus il n'y a pas beaucoup de jeux qui sortent durant ce mois de décembre. Du coup j'en profite, et c'était bien par là qu'il fallait passer. J'avais choisi le bon chemin. Wow. La vraie question qu'on pourrait se poser, après vu que c'est en VO, je me permets de parler en même temps, est-ce qu'on aura d'autres planètes à visiter? Est-ce que c'est seulement celle-là? Ça, bon, on aura la réponse un peu plus tard dans le jeu, je pense. Gunk. Yeah, that's an apt name for it. Can you scan it without getting too close? I don't know what's in it. Looks like snot. If it is, I don't want to meet the thing that's seen. Keep your mask on. Seems to be some sort of organic compound. Luckily, I don't think it's snot. Think you can use your glove to clean it up? Alright, what do you say, Pumpkin? Can we clean it up? What's up with the radio reception? Okay. Alors maintenant... Oh oui! Ça fait penser un petit peu à Luigi's Mansion ou à... Comment il s'appelle? Ah, il y avait un autre jeu comme ça. Il y avait les Schtroumpfs qui est sorti il n'y a pas si longtemps, Mission Malfeuille, pour ceux qui auraient suivi la petite vidéo découverte qu'on a pu faire. Il fallait récupérer justement des... je sais pas comment on peut appeler ça, ils ont donné le nom, mais... de la morve, si vous voulez, voilà. On va dire que c'est de la morve. Et hop! Vous voyez? Ah, c'est tout poil. Exactement ce que proposaient les Schtroumpfs, Mission Malfeuille. C'est-à-dire que quelque chose qui n'est pas bon, ensuite, on purifie tout ça. Et une fois qu'on a purifié, bah, tant mieux pour nous. Parce que la végétation, c'est la vie. L'eau, c'est la vie. Et les deux combinés, c'est encore mieux. Si la reading est correcte, ce stuff a du potentiel. For real?
Keep your head screwed on. This puddle's not much to write home about. But if we can find a bigger deposit, I think we should look for a place to land. Sweet! Light the way! Chapitre 1, atterrir, c'est bon. Chercher un endroit pour atterrir. On va essayer de trouver ça. Je pense qu'ils nous ont montré ça ici, c'est pas pour rien. Je vais quand même aller voir une sorte de toile d'araignée. Du coup, ça. Ah ouais. Ça, tu sens que c'est le passage avant un boss, tu vois. Genre, on te bloque le chemin, on te dit « Hey, et si tu faisais un petit détour et tout, récupérer quelque chose qu'il te faut, et après, il y aura peut-être un boss. » On va faire gaffe. Oh bah, sauter appuyé sur A. Comme vous l'avez compris, comme dans tous les jeux vidéo, quasiment, on va pas se mentir, eh bien, nous avons un didacticiel. On va nous apprendre à sauter, à analyser, à regarder autour de nous pour voir peut-être des choses à récupérer. Ah, c'est... Tous les jeux sont comme ça. Hein. C'est vrai qu'une découverte, c'est bien. Comme ça, vous voyez vraiment le début avec moi, avec ses qualités et ses défauts. Parfois, il y a des jeux qui sont très très bien en découverte. Et plus le temps passe, plus tu dis « Ah, c'est quand même répétitif et pas forcément bon. » Et des fois, c'est tout l'inverse. Des fois, une découverte, au début, ça n'a pas l'air top. Mais finalement, bah, plus on avance, et plus c'est intéressant. Il faut vraiment se baser un petit peu, mais pas trop non plus. Parce que parfois, ça peut être à double tranchant. Wow, c'est quoi ? On va aller vite fait, bien fait, voilà. Ah tiens, on va analyser ça. À part si c'est le truc qu'on a vu tout à l'heure, voilà. Éclat luminescent. Mais il ne contient pas vraiment d'énergie. Je lisais un peu mieux pour faire attention. Imaginons que ça nous dit oui, il y a quelque chose d'important. Peut-être qu'on peut donner des coups. Ah d'accord, elle se met toute seule à genoux. Enfin, je sais pas qu'on appelle cette position du crapaud ou du crabe. Et cette planète n'est pas très accueillante. Hein. En plus, là, j'ai vu un épisode de la nouvelle saison de JoJo's Bizarre Adventure. Je sais pas si vous connaissez. Si vous connaissez pas, bah regardez, la nouvelle saison. Je sais pas comment ça s'appelle d'ailleurs la nouvelle saison. Et bref, c'était trop bien. Il y a un épisode avec un scaphandre. Donc, je vous laisse le regarder cet épisode. Ah, d'accord, elle peut pas absorber en regardant. En sautant, pardon, excusez-moi. Je perds un peu mes mots. Maintenez LT. Ah, bah oui! C'est mieux comme ça. En tout cas, j'ai l'impression d'être aussi dans un petit mélange, tu vois, de SOS fantôme. Et ça fait beaucoup de choses à récupérer, là. On sera à 20 minutes de vidéo qu'on aura récupéré... Oh, oui, au pire, tu sais quoi, hein. On est là pour ça. On va récupérer. Au pire, la vidéo fera 20-30 minutes. Au moins, vous aurez un gameplay assez long pour voir ce qu'il peut donner le début. Ah oui, j'ai oublié de préciser, mais le jeu sera disponible sur le Game Pass. Voilà. Donc, si vous voulez le tester, que vous avez le Game Pass, bah, ce jeu est fait pour vous. D'ailleurs, je remercie les développeurs qui m'ont fourni une clé avant que le jeu soit disponible pour vous préparer une vidéo et la poster bah, dès la fin de l'embargo. Donc ça, c'est très très cool de leur part. C'est moi, oui, il absorbe pas grand-chose. Enfin, quand t'es de loin, t'as l'impression que... Ça absorbait pas grand chose, voilà. Ah, mais oh, à ton tour là, on y est presque. Attention, par contre, j'ai pas testé. Ah, je peux pas sauter sur les cailloux pour l'instant. Et voilà, vous voyez, c'est la beauté du jeu. Vous pouvez atterrir maintenant. Wow, did you see that? Amazing. What did I even do? The gunk must be suppressing the plant life somehow. All right, make way, coming down. Out you go, Kurt. Don't wander off this time. You got through. Maybe you should take a look at his code. Yesterday he ran all of my tools through the washing machine. Yeah. That storm was rough, and I don't like the look of that river. I'll run some diagnostics on Bunny just to be safe. Now? I was thinking we could do some exploring together. Avoid the boring stuff, you mean? No, I just thought... I know, Ronnie, but I have to take care of the ship first. Look, I'm running a constant scan for the energy signal. Why don't you remove some more gunk and see if we pick it up again? Okay, if you say so, Cap. Just be careful.
Ouais, bah vas-y, hein. Au moins, on a fini le chapitre 1. Tu sais quoi, on va pas aller à l'intérieur. Moi, j'ai envie de supprimer, là, tout le gunk. Ouais, toi aussi. Il a dit à table. En plus, j'ai faim. Il m'a fait penser que j'ai pas grand-chose à manger. En plus, au moment où je vous parle, bah, j'ai fait mon rappel. Vous appelez ça le rappel, la troisième dose et tout. Donc, pour l'instant, ça va. J'ai des courbatures. Mais ça va, voilà. Pour vous dire si peut-être que... Si je respire plus fort, si je mets peut-être plus de temps à trouver mes mots. Mes mots, voilà, aussi, bien parlé. Bah, c'est peut-être un peu normal. Je dis au cas où, hein, c'est pas une excuse. Attendez, on va scanner déjà. Et on récupère... Ah, voilà, vous voyez. Ça, tout à l'heure, on en avait parlé. Du fait que peut-être qu'on peut récupérer les choses qu'on analyse. Cette chose-là, oui. Alors, et toi ? Voilà, ça c'est parfait. Par contre, c'est pas mieux de... Oui. Ça, c'est vraiment le côté No Man's Sky, tu vois, de... T'as pas besoin. Être sûr, si tu connais pas, analyse, et après tu vois. Ça, ça fera plaisir, je pense, à tous ceux qui aiment genre la recherche. Ah, j'aurais peut-être dû analyser... Ça fait deux fois que je dis ça. Non, c'est bon. Hop là. Toi aussi, tu viens. Et pour ceux qui se posent la question, à voir, le jeu n'est pas disponible en coopération, multijoueur ou autre. C'est uniquement un jeu solo, du moins pour l'instant. Après, c'est que ça se prête beaucoup à pouvoir être joué en multijoueur, hein. Ça c'est clair, je vais pas vous dire que c'est non. Bien au contraire. Mais il y a une grosse vibe No Man's Sky, c'est... même si j'ai pas beaucoup joué au jeu. Alors... Ouais, attends, on est pas dans le bon sens. Ouais, on va vite faire récupérer ça. Ah bah non. Utiliser. Ah, raccourci. Très très bonne chose, ça. Comme ça au moins, si tout à l'heure j'ai besoin de revenir, ce sera possible. Ok Bex, I think I got what I need. Et on a tout récupéré à part ceci. De toute façon, je pense que bah. On aura peut-être. Je sais pas si on aura besoin d'aller plus loin dans la découverte. Vous avez vu un petit peu le principe du jeu. Bien entendu, c'est pas que ça. Hein, vous vous en doutez. Il y aura pas mal d'ennemis sans doute. Mais pour l'instant, c'est comme ça. Après, je sais pas quand est-ce qu'il faudra attendre pour en trouver. Mais on va aller voir. Et je suis sûr qu'on. Qu'en allant. À l'endroit de base, ça doit nous faire récupérer de la vie ou quelque chose du genre. Les champignons, ça se récupère? Moi. Je suis de retour. Ah bah bravo, ça travaille dur ici, hein. I think the bunny will like it here. Could be worse, I guess. Ample space, ground seems stable enough. I'm still not happy about the look of that river, though. Come on. It doesn't get much better than this. Who knows what we'll find? Hopefully, the source of that energy signal. You were going on and on about landing here. Now you're just standing around chatting? Go on. Get out there. I'm on it. D'accord, d'accord, bah... Pas de problème, hein. Si je dérange, faut le dire. Check the data for me, please. Ah. Enfin, on va la scanner. C'est vrai que le premier réflexe, c'est de vouloir l'attraper. Alors, ouais, sont très profondes. Il va falloir réparer ton gant. Ah bah on va trouver du métal, tout ce qui va avec. Pour l'instant, on peut pas aller ici. Là-bas, c'est de là où on vient. Pas descendre non plus. Et tu vois que t'as l'impression. Bah, j'ai vu qu'on pouvait réparer sans doute le gant. Ne vous inquiétez pas. Mais ici, on va peut-être pouvoir passer, tu vois. Les champignons, ça indique une sorte de passage qu'on va pouvoir emprunter. Mais avant toute chose, installons des améliorations. Ah, here we go. Good as new, pumpkin. I'll be able to rip up that stubborn alien plant for sure. Stop chatting with your glove and just go pick the damn plant. C'est bon ? C'est gentil de parler comme ça, hein. Après, ce qui est bien, c'est qu'on se perd pas trop pour l'instant. Allez, vas-y. Et voilà. Un truc lumineux, et on verra bien.
Quand tu dis des trucs lumineux, c'est qu'on peut balancer sur... sur ça, peut-être ? Non. À part s'il faut faire juste ça. Ah oui, le truc lumineux. Ah oui. C'est... J'appelle ça le fleuve. La petite source, voilà. Je cherche mes mots, moi aussi. C'est bon. Désolé, hein. Parfois, il me faut un petit peu de temps. Et voilà. Bah, je l'avais dit, en plus. Ah. Je dis non. C'est pas bugué. On a voulu aller un petit peu trop vite. Alors, vous savez qu'on va continuer un petit peu, quand même. On va voir qu'est-ce qui va se passer. Qu'est-ce qui va nous faire... lancer l'intrigue, disons. Que pour l'instant, là, on arrive sur la planète. Y a rien de... de bien spécial, disons. On est des... oh, des sortes de géologues de l'espace, hein. Ah bah, c'était là où on devait aller tout à l'heure. Vous vous rappelez quand je vous ai dit qu'... bah non. Ça me fait penser genre en mode Flower, tout ça. Je sais pas si vous avez déjà joué à ces jeux-là. On peut réellement penser à ça. On peut passer par là et revenir ici. Oui, on a... hop. On a ouvert un passage. Toujours, dès qu'on avance, ça c'est bien. Ça nous débloque des passages pour le futur. Peut-être qu'ici, on va devoir amener... eh oui. Une nouvelle graine. On va y aller doucement, mais sûrement. Oh là, attention. Allez, viens là. Sans doute qu'on va pouvoir, voilà. Ouais, attends. Parfait, ça. Attention, ça peut glisser. Et tu viens. Par contre, dès qu'on a la graine, on peut pas sauter. Je vous le dis au cas où, hein. J'ai essayé plus d'une fois. C'est pas possible. C'est vraiment de là que je... mais non, c'est pas de là où je venais tout à l'heure. Hein. Ça ressemblait, mais c'était pas ça. Hop, oh, peut-être que faut passer par ici. Voilà. Le pro du saut, c'est Bibi. La musique me détend. Hein. Je vous le dis au cas où. C'était ici tout à l'heure. Je me souviens plus. Pour moi, tous les endroits se ressemblent. Et vu que j'ai un sens de l'orientation proche du néant, bah forcément, ça m'aide pas trop, mais au moins on va pouvoir offrir ce raccourci. Et à aucun moment j'ai voulu toucher la morve, on l'appellera comme ça. Hein. Alors, est-ce que c'était là d'où on venait tout à l'heure? Même pas. Ou peut-être que si... ah. Oui. Oh là, on a beaucoup de travail à faire ici. Attendez, vite fait. Laisse-moi passer par là-bas. J'ai l'impression qu'on est dans un endroit. J'essaie d'autres touches et pour l'instant, il n'y a pas d'autres touches. Et ouais. Utiliser. Ah, juste. J'allais dire, ouais, je trouve un passage et tout. Bon. Ah. Voyons voir ce que c'est. Toujours ce mauvais réflexe. Hein. On récupère tout. De la fibre. C'est bien. J'en ai une. C'est parfait. Et comme dans beaucoup de jeux, vous vous doutez que on sait ce qu'on doit récupérer ou on sait où on doit sauter grâce au petit marqueur jaune. Voilà. C'est la base du jeu vidéo. Dès que tu sais où sauter, bon, on nous met ça. C'est bien. Tu galères pas pendant des heures. Après, par contre, je crois pas que c'est désactivable. Il y a peut-être des personnes qui préfèrent trouver par lui-même les endroits où passer et tout. Non. T'inquiète, pas de demi-tour. Je vais finir mon travail. Je veux que dans cette découverte, on puisse se dire « Ah, voilà, l'intrigue est lancée. » Quitte à mourir, pas grave. Ah non, dans le jeu. Regarde bien. Voilà. Je fais la zone que je pourrais peut-être pas faire si j'étais en haut. Joli effet. J'aime bien. Et le jeu, il est correct.
C'est pas le plus beau jeu, après on n'attend pas qu'il soit le plus beau. C'est pas là où il sera jugé. Que ça tourne bien, il n'y a pas de ralentissement et tout. C'est ok. Il en faut des jeux comme ça justement. J'aime bien, c'est tellement satisfaisant de faire le ménage comme ça. C'est trop bien. Alors, ici, on va éviter de passer. Je vérifie bien à chaque fois. Et le pire, c'est quand je mets la caméra comme ça, je mets ma tête de la même façon. Moi, on pourra pas me dire que j'ai pas tout récupéré. Hein. Là, pour le coup, et voilà. Merci à elle. Je vais vous laisser le chargement, histoire de voir combien de temps il dure, parce que c'est que souvent, dans mes vidéos découvertes, bah, je coupe les chargements. Mais là, voilà, je voulais juste vous le laisser pour que vous puissiez voir qu'il a duré allez, une petite dizaine de secondes. Ouais, bah on va rentrer un petit peu tard. Ça va, on est à peu près à 20 minutes de vidéo. Oh là, il y a un truc là-haut, là. Pas bon, ça. Mais pour l'instant, il se passe pas grand-chose de nouveau, disons. On fait qu'absorber, scanner, absorber, scanner. Par contre, j'ai l'impression que son réservoir est infini. Je pense que la fin de la découverte se passera à la fin du chapitre 2, début du 3. Alors, ça me fait plutôt peur. Voilà, récupère-moi tout ça. Ouais, j'ai fait attention. Tout va bien. On a réussi notre coup. C'était dommage de se faire piquer. Vas-y. Poc. Ensuite, on récupère un petit peu. Oh là là, on a eu du bol. On était à la seconde près. Et voilà. C'est beau. Oh la jolie langue. Oh la jolie langue. Et en plus, ce qu'il y avait au-dessus a disparu. Parfait. Et c'est très joli. Franchement, je... Niveau des couleurs, etc., je... Ça rend bien, ça me fait penser beaucoup à Kena. On l'a fait il n'y a pas si longtemps que ça, il y avait un petit peu ce système où il fallait purifier. Voilà, on a la même chose, mais... d'une autre façon. Alors là, c'est pas bon. Ouais. Merci au marqueur, là. Je l'avais vu, le passage, hein. Pas le marqueur. Je me suis dit, ah, ça me paraît un petit peu loin. C'est vrai que je regardais autre part, et finalement... C'était bon. Vous savez quoi? On va faire ça... Bah non. Ah. C'est qu'on pouvait pas aller aussi loin. Je voulais jouer un petit peu avec la distance pour me mettre ici. Je pensais que j'allais toucher, parce que j'ai tué, voilà. Ah, c'est dommage. Ouh. Par contre, on n'a pas un semblant de barre d'énergie. Et que quand on se prend des coups, il n'y a rien qui indique... ouais, à part peut-être le module, là, il est vert. Et quand on se prend des coups, bah, il va passer au rouge au fur et à mesure, peut-être. On l'avait scanné tout à l'heure. Eh ben non. On l'avait oublié. Organique. Là aussi, on l'avait oublié. Bon, en fait, j'étais pas tout à l'heure. Pas pu l'oublier autant. C'est pas impossible. Allez. Voilà. On peut passer sans sauter. Bien sûr qu'on peut passer sans sauter. On vise. On tire. C'est bon. Je laisse un petit peu de temps que tout à l'heure, vous voyez, on est passé à travers. Envie de tomber pour la 23e fois. Je pense qu'il faut... Voilà, plus faire ça. Allez, comment c'est quelque chose qu'il ne fallait sans doute pas faire. Ah, je me demande si en dessous, il n'y a pas quelque chose. Je me pose vraiment la question. Allez, vas-y. Oh. Ouais, non, je voulais quand même vérifier... On n'est jamais à l'abri d'un nouvel ingrédient ou organisme ou ce que tu veux.
Je ne sais pas du tout si je vais au bon endroit là. Moi, ce que j'aime dans ces jeux-là, tu vois, c'est de pas aller là où il faut aller, parce que avant tout, je veux fouiller. Ah, mais en fait, je pensais qu'on pouvait passer par là. En fait, pas du tout, d'accord. Donc, on est bien au bon endroit. Et en dessous, ça me paraît peu probable qu'il y ait quelque chose. Ah, ils ont peut-être pu cacher quelque chose, hein, j'avoue. Ben, y a pas un petit animal. Alors, bon, de toute façon, on va rejoindre la Sista. Je pense que là, la boucle est bouclée. Et dès qu'on va arriver au vaisseau, il va se passer quelque chose. C'est ce qu'un film basique ferait. Voilà. Là, on a quand même fait un très grand tour. On a tout bien récupéré. Normalement, on devrait revenir pour pouvoir up notre gant ou avoir autre chose. Mais au vaisseau, il va se passer quelque chose. Why, hello there. You must be the one with the sweet singing voice. You guys, on the other hand, are nasty. Et ben voilà. All right. On cherchait des ennemis. Ah oui, non, d'accord. Et si je fais ça? Ouais. Je voulais voir au cas où, hein. C'est peut-être utile. Merci de me laisser tranquille. Je vois venir, hein. Faites gaffe. Ici, c'est Nasseru Cleaner. Je viens chez vous et je nettoie. Un petit aspirateur. Et ma tenue de soubrette, bien sûr. L'un ne va pas sans l'autre. Joli animal. Alors que tu vas chanter pour moi. Je mérite. Et c'est le premier ennemi qu'on a vu. Tout mignon. Voilà. C'est parfait. Et on a vu aussi que de l'autre côté, il y avait beaucoup de choses à faire. Beaucoup de boulot. Parfait, ça. Regardez-moi ça. Comment c'est beau. On fait revivre cette planète. On la fait revivre. Et il va sauter. Ouais, attention, Bobby. Voilà, ouais, vas-y. Voilà. Voilà, Bambi. Oh, t'as failli tomber là, par contre. Hein. Attention. T'inquiète. On va te suivre, mais avant de te suivre, on va passer par ici. Je jure qu'il y a un élément qu'on n'a pas encore découvert. Parce que le jeu te dit, va suivre l'animal. Mais il récompense les audacieux et les curieux. C'est bien connu, ça. Ouais, ça va casser normalement le raccourci. Juste voir où est-ce qu'il nous emmène. Ouais. D'accord. Peut-être qu'on allons voir. Ah bah non. Dire qu'on allons voir l'animal, qu'on va récupérer une boule, mais pas du tout. La boule elle est là. Est-ce qu'on peut aussi y aller tranquillement? Ah, je me disais bien. Pourquoi pas... Attends. Hop là. Je comprends ce qu'ils ont voulu faire, mais ça aurait peut-être été plus simple de pouvoir bouger avec. Ouais, toujours un petit temps. J'avais raison de dire ça tout à l'heure. Après, le jeu n'est pas encore sorti, il y aura peut-être le patch Day One qui va arranger... qui va arranger ça, sans doute. Ouais. J'en ai gardé un petit dernier. Je l'avais dit en plus tout à l'heure, non? Je vous avais dit, dès qu'il y a un passage... Ah bah en plus, champi-porc, c'est un champignon spécial pour le cochon. Je l'avais dit, quand t'as des passages comme ça, généralement t'es bien récompensé avec des items et tout. C'est sûr? Oh, treasure for little old me? Yes, please. Allez, voilà, de la fibre, il nous en faut. On en a jamais assez. Voilà. Je les ai pas déjà récupérés tout à l'heure, au pire. Je vais quand même prendre... Ah oui, mais la boule, on peut pas. Je vais quand même essayer de jouer avec, parce que je sens que
peut-être. Alors si je la mets ici. Voilà. Imagine le passage de l'animal. On va nous dire. Ouais, mais. Ah bah, de toute façon, il y en a une ici. C'est parfait ça. J'ai complètement oublié cette source. Et boum. Bah, de toute façon, il fallait suivre l'animal, donc on va bien le suivre. Est-ce qu'il y a des choses en bas que j'aurais pas forcément. Ouais, les choses là-bas. Hein. Oh, c'est quoi? Moi, je veux voir ce qu'il y a. Je veux être sûr. En plus, on n'est pas scanné. On va dire, oh, mais il est relou! Il aurait pu y aller direct, c'est vrai. Et là, je suis vraiment pris par le fait de vouloir tout check. Et en plus, on est quasiment. Voir à 30 minutes de vidéo, le temps passe vite. Peut-être que pour vous il va être long. Ça, je sais que par rapport à ceux qui regardent, il y aura peut-être même pas 1% qui sera maintenant sur la vidéo. Mais pour le peu de personnes, bravo à vous. Et surtout, bah, quand tu joues, tu vois pas le temps passer et c'est trop bien. Après, regardez, c'est vrai que c'est pas ce qu'il y a de plus où il y a la meilleure action quoi. Bah, je veux dire, même les choses qu'on peut pas arracher. Là qu'il va falloir y penser. Ouais, donc on va passer par là. Mais ça me stresse de pas savoir si c'est le bon passage ou non. Vas-y. Bah, de toute façon, même pas besoin d'attendre. Hop hop hop. Ah ouh. Pas gentil là. Et voilà le petit passage. Je sais même pas où est-ce que c'était tout à l'heure. Si vous êtes blessé, quittez la zone pour gagner de la santé. Oh. Pire, ce sera la fin de la découverte si on fait ça. Tac, tac, tac. Allez, on y va. Voilà. On crée une brèche. Ce qui me stresse, c'est surtout que j'ai laissé quelque chose de l'autre côté. Voilà. Là, il reste plus rien. Bah oui, vous vouliez m'arnaquer. Hein. Je sais que vous vouliez m'arnaquer. Oh là là. Et là, où est-ce que ça nous mène? Oh non, il faut te sauver. Alors, je précise juste une petite chose vite fait, c'est qu'il y aura une coupure au moment, enfin à un moment, vu que ça tournait un petit peu en rond, ce que je faisais, voilà, je l'ai accompagné encore et encore un petit peu plus. Et là, vu que c'est comme ça en fait, je cherchais surtout un boss à affronter. Mais au moins, voilà, on peut voir que ouais, on peut en charger qu'un par contre. Hop là. Viens à toi. Le système, pas forcément le plus simple. Au moins voilà. On l'a sauvé, on réussit. Je sais pas qu'est-ce qui va se passer avec cet animal. On le suit, mais bon, il se passe pas grand chose. Oh, look at you. Ah, you're okay. You're saying hello, aren't you? Hi. Hi there. All right. Off you go. What the hell is that? Whoa. Qu'est-ce que c'est? Alors là, j'ai l'impression qu'on est dans un village. Et vous savez quoi? C'est pile poil le bon moment, on arrive à un endroit plutôt cool pour terminer cette vidéo découverte. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas, si vous voulez laisser un commentaire pour me dire ce que vous pensez du jeu, bah faites-vous plaisir de laisser un like hein, qui fait toujours plaisir une nouvelle fois. Et puis sinon, je vous dis à la prochaine, portez-vous bien, et puis c'est tout. Allez, salut!